22 ans d'amour, construit et bâti sur le respect des traditions, cela peut parfois occasionner des frictions. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous favori, Un couple, une histoire. Je suis Mylène Cuny et ensemble, nous partagerons 52 minutes de bonheur. Mais avant, je vous invite à faire connaissance avec notre couple du jour. C'est en 1999 que Sendogo Ibrahim et Ouedraogo Fatimata se voient pour la première fois. Pour Ibrahim, cette rencontre s'avère de bonnes augures, car nos tourtereaux fréquentent la même congrégation religieuse. Cela facilite d'ailleurs leur mariage pour la suite. Ibrahim cumulait de petits métiers et son épouse était, quant à elle, ménagère. La réalité n'était pas forcément celle qu'ils avaient prévue, mais cela ne les a pas empêchés de vivre leur amour. 5 enfants viendront combler ce couple au fil des années et ils tentent tant bien que mal de leur donner une éducation selon des principes traditionnels et modernes. Bienvenue très chers téléspectateurs à votre rendez-vous favori. Comme vous venez de le voir, nous recevons Monsieur et Madame Sendogo. Je rappelle que Monsieur Sendogo Ibrahim est transporteur et Ouedraogo Fatima, épouse Sendogo, est commerçante. Je vais vous dire quoi? La fibare. La fibare. Et on répond la fibare. Voilà. On commence par quoi? C'est non, c'est Yibiogo. Yibiogo d'abord et puis vous répondez. Et puis je réponds la fille. Bon, vous venez de comprendre, hein, je vais juste de faire un petit cours de moré. Voilà, il faut rappeler que le moré est un patois du Burkina Faso. Donc, en couple une histoire, nous allons au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous recevons le monde entier dans nos studios et sur notre plateau. Parce que l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites. Nous venons de voir un élément. Que pensez-vous de ce qu'on vient de voir? D'où l'élément là bien? Joli. Ça encourage en vrai. Fatigue, mais toi. Oui, la même chose. Il est avec nous, Kwasi Richemont, à Montipa. Voilà. Là, on est parti au centre de la Côte d'Ivoire et on a parlé du Baoulé. C'est bien ça. Vous êtes Baoulé d'où déjà? Je viens de Ndiébounoua. Avant d'arriver à Boaké. D'accord, vous êtes quel type de Baoulé? On me dit les Sa. Les ça, oui, oui, c'est, bon, ça. C'est pas grave. Moi, je suis un enfant, c'est le plus important, n'est-ce pas? C'est ça. Merci en tout cas de prendre de votre temps et de faire montre de votre savoir pour le bonheur de nos téléspectateurs. Je t'en prie, Mylène. On va parler d'amour, on va parler de rencontres, n'est-ce pas, Richemont? Oui, Mylène. Dans la toute première rubrique que nous affectionnons particulièrement. La romance. Voilà, donc on part pour la romance. Pour vous qui nous prenez en marche, sachez que dans la zone romance, nous allons au début de l'histoire de nos couples. Et là, je demandais comme ça à Ibrahim, où est-ce que tu as rencontré Fatim pour la première fois? La première fois, c'était au deux plateaux, sur le boulevard Latry. Elle faisait quoi? Elle était où? Nous, ici, on veut tout savoir, les moindres détails. Ah bon? Si tu te souviens de la couleur de sa tenue. De... C'est là, de la toute façon, ça a été super balancé. C'était un soir comme ça dans l'après-midi. Oui. C'était le passage. Je partais à un match de foot. Et je l'ai vu à 6 heures. Puis bon, il passait. Je me suis dit, ah, elle m'a attiré en tout cas. Puis je me suis dit, ah, bon, tu veux voir s'il peut changer. Qu'est-ce qui t'a attiré? Hein? Parce que quand elle t'a attiré, c'est comme si elle t'a parlé. Mais elle n'a rien fait. Qu'est-ce qui t'a attiré là tout de suite? L'amour là, c'est comme on appelle là. Il y a un courant dedans. Hein? Amour? Non, dans le courant de nos vies. Voilà. C'est comme ça que j'ai passé. Donc, j'ai continué ma route. Arrivé devant où il partait, je ne suis pas même pas arrivé là-bas. Et vu que ce que j'ai partait, regardez là, c'est fini. Donc, j'ai donné d'eau maintenant. Il venait échanger avec elle. Il s'est arrivé, c'est sa soeur, il est toujours en place. Il s'est adressé à elle. Ah, mais elle est ta soeur là. Il dit, non, est-ce que tu savais que c'était sa soeur? Non, il demande, il dit la fille qui était ici. Mm-hmm. Elle m'a dit, ok, là, voilà, elle s'en va là-bas. Même si elle a crié son nom à distance. Elle s'est arrêtée, elle m'a attendu, puis je me suis dirigé vers elle.
Je suis arrivé, il est salué. Il m'a donné son nom. Il m'a donné son ethnie. Il me dit, ouais, qu'elle est burkinabé. Voilà, le fait qu'elle soit burkinabé, comme elle aussi, donc, il y a une coïncidence. C'est comme si c'est moi, je vais le flatter. C'est comme si c'est elle qui voulait me flatter. Puis on est resté dans ça. Il a posé la question, mais toi, tu viens de Burkina, quel côté de Burkina? Elle m'a donné le nom de la région. Elle vient d'où? Elle vient des mêmes régions. Nous, on vient des... Et comme on appelle, il y a sous-région et puis il y a la région principale, Yung. C'est tout ça. C'est et le village s'appelle comment? Asodratenga. Asodratenga. Bon, je n'ai pas pu prononcer, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Elle vient de Ouagadougou. Voilà, à Boussé. Tout ça, c'est la province de Boussé. Mm-hmm. C'est là, on est resté à discuter. Puis maintenant, je vais parler, moi, mon village. Il dit, moi, il vient de Asodratenga. Elle me dit, bon, elle vient de Guabra, il dit, mais tu connais là-bas. En même temps, il y a un monsieur qui passait, qui venait de temps en temps rendre visite à mon papa, père à son âme, qui passait aussi de temps en temps chez elle, chez sa maman, salut, puis c'était les anciens du quartier. Mm-hmm. C'est lui qui passait, maintenant, il nous a salué à langue. Ah, bonsoir, bonsoir, ça vous va? Vous connaissez? On a tous répondu à Amouré. C'est là, elle a su que oui, je suis Moussi, Moussi, je suis qu'elle est Moussi. Donc voilà comment c'est parti. Fatim, le monsieur, il t'arrête, il ne te connaît pas, il échange avec toi, il va les connaître chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Non, le premier jour, il ne va pas les connaître chez moi. Hein? C'est après, au fur et à mesure que nous sommes habitués ensemble, mm-hmm. un peu, et puis après, il allait connaître chez moi. Et je connais chez lui, sa maman, son papa, il y avait ses frères. Voilà. Donc, le jour qu'il est en repos, je m'en vais. On échange ensemble. Des fois, même quand il n'est pas là, je m'en vais vers sa maman en cause. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Est-ce que le premier jour, quand tu l'as vu, tu as dit, ce monsieur, il m'intéresse? Le premier jour, quand en tout cas, je l'ai aimé. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Oui, tu l'as aimé, mais il y a forcément un petit élément. Il était encore plus beau. Maintenant... Genre, maintenant, il est devenu un peu vieux. Voilà. Il était plus beau. Il avait les beaux yeux. Hey. Voilà. D'accord. Je pense que la réalisation va faire un gros plan sur les yeux de... La vieillesse. Ouais. D'Ibrahim, pour voir les yeux qui ont captivé. Ouais, la vieillesse aussi, ça arrive donc pour avoir, comment on appelle là, les batailles qui finissent pas là. Uh-huh. Le moment où il faut, comment on appelle là, perdre poids et puis avant de reprendre. Si tu vas tout être moment, comment on appelle là, un point équilibré, là, c'est pas bon, hein? Le quand tu... Bon, ouais, après, la genèse, puis c'est au moment où on se connaissait. Bon, après, on rappelle, chers téléspectateurs, qu'ils ont 22 ans de mariage. Donc, comprenez que le poids de l'âge est passé, sinon... Ouais, on était à l'âge de 23, 24 ans, comme ça. Vous êtes mariés très jeune. Voilà. Vous aviez quel âge quand vous vous mariez? C'est pas indiscret. Quand je me mariais, j'avais au moins 20 ans. Lui, il avait 23 ans. Waouh! C'est vraiment une belle femme. Est-ce qu'on peut applaudir pour madame? Parce qu'elle se mariait, elle avait 20 ans. Elle a 22 ans de mariage. Donc, si on peut faire un petit calcul, on est à 42 ans. Mmh. Mais vous lui donnez là tout de suite 25? Mmh. Moi, je vous aurais donné 25 ans. Hein. Mmh. Quand vous regardez et tout, vous faites très jeune, vous êtes bien conservé, n'est-ce pas, Richemont? Bien sûr, bien sûr. Elle est vraiment bien conservée. Merci. Je dirais 35 ans, 32, 33, mais 42. Alors qu'elle est dans la quarantaine. C'est bien. Voilà, donc, Fatim, c'est une belle femme. Donc, Fatim, il vient, vous commencez à vous rapprocher de ses parents, vous échangez. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on se dit c'est le bon, c'est celui qu'il me faut? Bon, son comportement était bon. Mm-hmm. C'est pas comme s'il me donnait quelque chose. Mais j'aimais déjà son comportement. Il était bien. C'est quoi le comportement? Parce que tout le monde veut savoir. Bon, quand il parle avec la femme, uh-huh. ce qu'il peut faire, il fait. Ce qu'il ne peut pas faire, il te dit, je ne peux pas faire. Donc, il était véridique. Voilà, effectivement, ça. C'est là-bas, j'ai aimé son affaire. Et vous êtes mariés aujourd'hui. Quels sont vos moments favoris ensemble? Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Bon, ça, c'est en vain, hein. Comment ça, c'était avant? C'était avant. De nos jours, là, on prend notre temps à parler beaucoup des enfants, puis à regarder leur avenir. Puis c'est dans notre vie, pour notre éducation, il y a beaucoup la culture dedans. Uh-huh. Avec la vie moderne qu'on vit, il faut beaucoup faire attention. Donc, il faut piocher de chaque côté. Il y a la vie culturelle,
et puis à la vie religieuse. Donc, il faut rassembler les trois là, sur chaque côté un peu, voir ce qui peut marcher avec nous et puis vivre avec. Donc, on passe beaucoup de temps à parler de nos enfants et puis mériter même si plus que nous-mêmes notre temps. D'accord. Mais... Sinon, avant, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il aimait faire? Qu'est-ce... Où vous aimiez aller et tout? Bon, souvent, on partait à la plage. Hein? Ah, voilà. Ouais. Mais on part à la plage avec les enfants, Ibrahim. Ouais. On part à la plage avec les enfants. Parce qu'il ne faut pas les enfants vont... Vous en avez... Vous allez trouver, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais peut-être vous allez trouver ça trop dit, quoi. Sinon, chez nous, ce n'est pas beau dans l'éducation que nous, on a reçu là. Pas bien que les enfants et les parents se voient dans des, comment on appelle là, des maillots de bain ou soit assez trop dit. C'est pas... D'accord. Donc, je veux dire, il y a un certain respect qui fait que les enfants ne doivent pas vous voir en maillot de bain. Mmh. Et on rappelle, on est dans la pure tradition Mossi. Dans les débuts, tu l'invitais où? Dans les débuts. Tu l'invitais où? Quand tu voulais séduire son cœur. Quand je voulais séduire son cœur. Bon, c'était comme tout jeune Abidjanais, tout bon Abidjanais. Moi, c'était comment c'est passé. Non, mais en fait, là, on a des personnes qui nous suivent. Dans les lieux publics, les restaurants. Voilà. Mais pas les maquis, en tout cas. Voilà, donc dans les restaurants, vous alliez manger. Les restaurants, les espaces bêtes. Bon, beaucoup de fois, dans les rues ou dans la, comment on appelle, les jardins publics, on peut se trouver seul, quoi. Pour causer. Pour causer. Puis voilà, c'est romantique. J'étais beaucoup de fois, quand je le fréquentais à la maison, on n'était pas libre d'échanger notre amour, vivre notre amour autant qu'il était. Chez moi aussi, à la maison, c'était comme ça. J'ai quand elle arrive, il y a le grand frère, petit frère. Ah tiens, la chérie du grand frère est venue. Ah, la chérie du petit frère est venue. Chacun voulait lui tirer un mot, donc on n'avait pas suffisamment de temps. Puis toute la semaine était beaucoup pris. Donc c'était beaucoup de fois, quelques rares fois en tout cas. Vous alliez dans les espaces verts, sur un jardin, voilà. Un bon public, en train de causer. Ouais. Et c'est comme ça qu'on vivait l'amour. Richement, tu veux renchérir? Je veux dire, monsieur Sendogo a parlé du fait qu'il ne sait pas, c'est-à-dire dans la plus tradition, il ne faudrait pas aller à la plage avec les enfants. Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'on peut faire souvent du plaisir aux enfants. Et dans la mesure où cela pourrait certainement les aider à se divertir, échanger un peu, sortir un peu du cadre. Donc, monsieur et madame ne sont pas obligés de se mettre en culotte ou en maillot de bain, mais certainement pour faire plaisir à ses enfants. C'est ce que vous pouvez. Donc, je pense qu'Ibrahim va se servir de cela. Voilà. Mais si c'est dit, la partie n'est pas eu, comment on appelle, la détaillée. Ouais. C'est la vertige. D'accord. Oui. Et. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? On a dit 5, c'est ça? Oui, on a 5, 4 filles, un garçon. Wow. Le dernier garçon, c'est lui qui s'appelle Suleiman. La première, la fille Zainab. On a Zainab. On a Muniratu. Muniratu. Rayhanatu. 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 Et puis Salimata. Salimata. D'accord. En tout cas, les enfants, on vous fait plein de bisous. Et je pense que Coach Richement a essayé de vous défendre un peu. Donc, quand les parents vont rentrer après l'émission, ils doivent vous envoyer à la plage seulement, qu'ils vont garder, ils ne seront pas en petite tenue, mais vous permettre à vous de passer un agréable moment. Lorsqu'on se marie, on se sépare de sa famille pour fonder une autre famille. Cependant, lorsque le mari est contraint de vivre avec sa famille, cela peut parfois entacher les rapports familiaux. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, eh bien restez devant votre petit écran, c'est juste après ce jingle. Mon inattention face aux brimades subies par ma femme a suscité en moi la culpabilité au point de me faire sombrer. Ibrahim, donc lorsque vous finissez de vous marier, vous êtes amené à vivre Fatima en famille. Oui. À cette époque-là, vous vivez où, Ibrahim? On vivait aux deux plateaux. Vous vivez comment? Dans quelles conditions? Avec qui? Bon, j'étais avec mon papa, mon maman et puis mes grands frères. On était en famille en tout cas, on était en famille. Et dans votre tradition, quand vous vous mariez, vous habitez en famille, c'est ça? Ou c'est juste que pour la période, compte tenu
de la situation financière qui était un peu tendue. Vous voilà. Êtes allé vivre en famille. Non, bon, non, le mariage même s'est passé même pendant que moi j'étais encore en famille. Mm-hmm. Comme j'étais encore en famille, j'étais pas l'aîné en tant que tel. En matière de travail, je peux dire c'est moi qui gérais tout. Donc le vieil avait été toujours à côté de moi. Les grands frères, bon, ils partent, ils viennent quand ils veulent. Le moment où c'est le vieux, la vieille qui vivent avec moi, c'est comme c'est là la famille se trouve. Donc ils vont partir, même si c'est pour 3 ans, 4 ans, quand ils reviennent, c'est là qu'ils vont revenir. C'était comme ça, c'était comme si à arriver, c'était au moment quand ils venaient et puis ils mettaient du temps, je trouvais qu'il bon, y avait une distance entre moi et eux. Depuis le mariage s'est passé, là, il y a eu une distance entre nous. En tant que bon, c'était pas possible que ça soit comme auparavant. Donc on ne peut pas me rejeter la pierre, il fallait maintenant faire des querelles à madame. Je n'arrivais pas à comprendre comment se fait-il que celle que je connais à tout moment, celle qui amurait avec mes frères. Donc, d'accord, Fatima va justement nous expliquer ça. Comment ça commence, la tension avec la belle famille? La belle famille était un peu compliquée aussi, mm-hmm. Très compliquée. Je ne m'attendais pas à ça. Je les ai connus, je ne m'attendais pas à ce qu'ils deviennent aussi compliqués. C'est quand je suis rentrée dans le mariage, aller vivre là-bas, c'est là maintenant que j'ai su que ce n'était pas facile, c'était un peu compliqué. Voilà, je ne savais pas pourquoi, mais c'était tellement dû. Ça, ce n'est pas la belle-mère, hein? Ce n'était pas la belle-mère, ce n'était pas le beau-père. Bon, mon beau-père, lui, me comprenait. Mm-hmm. Mais à côté belle-mère, je ne sais pas si elle écoutait ses enfants. Mm-hmm. Qui disait toujours, elle est comme ça, ce sont ses enfants. Hein. Et qu'est-ce qu'on te reprochait? Il n'y a pas un truc, comme on appelle, même un truc, une base même qui est basée pour dire ceci et cela. Donc c'est comme si c'est la femme du petit frère en tout cas. Donc on met tout sur elle. Voilà, comme c'est la femme du petit frère chez nous, là, si j'étais l'aîné de la famille, ce qu'elle a subi là, ce n'était pas possible. Donc ils ont le droit. Ils ont le droit de ce qu'ils font. Donc c'est à moi ils maintenant. Ils ont quel droit expliquer? En fait, on veut... C'est comme si c'est le petit frère même là. À toi, Ibrahim, lève-toi, va faire ceci, cela. Je suis le petit frère. Si j'étais marié à la position de petit frère, c'était bon. Je suis marié avant eux. Vos voilà. Grands-frères n'étaient pas mariés. Voilà, ils n'étaient pas mariés. Et puis j'étais chez vous. Voilà. Wow. Voyez un peu, non? Mm-hmm. Donc il fallait surmonter tout ça là. Donc c'est maintenant, il fallait, dans ma vie maintenant, connaître même mes frères à moi. Qui sont-ils vraiment? C'était un problème d'abord culturel. Parce que dans votre tradition, l'aîné a toujours raison. Un droit. Bon, c'est pas toujours raison en tant que tel, mais il a droit à un respect qu'on doit lui donner. Mm-hmm. Mais maintenant, même s'il a une erreur, là, du moment que ta femme devient comme ton enfant devant lui, okay. Même si tu dois donner raison à ta femme, c'est pas devant lui. Maintenant, c'est à la longue. Je suis que, mais en temps réel, la femme n'est pas aussi, comment on appelle, à tout moment, en erreur. En erreur, voilà, comme vous le présentez. Voilà. Donc, vous alliez au travail, mm-hmm. Et quand vous veniez, on vous faisait des rapports. Voilà. Quels étaient les rapports, par exemple, qu'ils faisaient, Fatima? Quand je prépare, je m'en vais, je donne, on me dit, oui, ce que j'ai préparé, c'est pas bon, c'est pas doux. Le sel a dépassé ou le piment a dépassé. Des fois, on garde la nourriture. Mm-hmm. Quand mon mari quitte au travail, viens, quand il vient, il laisse ça, lui dit, viens voir ce que ta femme a préparé. Tu vois, on ne peut même pas manger. Quand il rentre, il est fâché. Je ne cherche pas à savoir pourquoi il est fâché. Il ne parle plus. Quand je parle, il est énervé. Ah, en tout cas, ça a duré longtemps. Hein. Chez moi, c'est un truc qui allait vite passer. Ça continuait, ça continuait. Et quel est l'incident qui a fait que vous êtes rendu compte, vous? Oui. Monsieur, que votre femme n'était pas en erreur. Jusqu'à un moment, monsieur m'a dit, mais c'est pas forcément celle que tu connais là qui va agir comme ça. Il s'est arrivé à un certain moment, il y a le petit frère aussi, lui, il s'est amené sa copine, mm-hmm. Qui était enceinte de... Vous, votre petit frère. Voilà, mm-hmm. Le dernier, qui était enceinte de lui. C'est à travers là-bas, j'ai vu que bon, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Puis c'est nous, père à son âme, le jeu. Côté des cultures même, il nous a exigé même de marier une fille de l'ethnie. Le grand frère, lui, il a refusé ça. Mm-hmm. Il a amené une femme à la maison qui n'était pas de l'ethnie. Une fille, c'est nous, faut y penser bien. Et puis il a dit, ah, mais toi, tu dois marier une fille morée. Si tu veux marier celle-là, tu ne veux pas rester avec moi. Puis bon, lui, il a dit carrément,
Donc c'est à ta mort, moi, il veut me marier. Quoi. Lui, il est décédé avant le jeu. Le grand frère qui dit que c'est à ta mort, je me marie, voilà, là. Voilà. Il est décédé avant la mort avant du jeu. Avant la mort du jeu. Bon, depuis lors, moi, j'ai connu une fille burkinabé, mais pas Moussi en tout. Mm-hmm. Et mes parents, grands-parents, et puis mon grand-père, qui s'est approché du jeu. Ah, ben, tiens, ton fils, là, il suit telle fille, là, on veut lui marier, on veut faire un mariage. Il dit pas question. Faut mourir. En dehors des langues maurées, lui ne peut pas parler autre langue à ses petits-fils. C'est là qu'on a déménagé aux deux plateaux. Elle, je l'ai connue. C'est le vieux même qui a fait toutes les démarches. Aller jusqu'à Daloa, connaître les parents. Parce qu'il femme. A su qu'elle était morée, donc le vieux, voilà, était content. Voilà. Maintenant, ce sont quand les frères. Le petit frère, lui, il envoyait sa copine qui était enceinte. C'était une fille d'Oula. Donc, elle tombait enceinte de lui. C'est lors de elle, sa grossesse, elle ne devait pas rester chez eux en famille. Elle l'a amené chez moi, chez nous en famille. On l'a amené chez nous en famille, c'est dans ma prière aussi, ça coïncidait ce moment-là. C'est là maintenant que j'ai vu, mais en réalité, ma femme n'est pour rien. Parce qu'il faisait toujours des caprices sur votre femme. Voilà. Donc, mais... elle, à son arrivée, mm-hmm. on voulait lui faire porter le chapeau à tout moment, c'est que moi, ma femme, travaille à la place de cette dernière-là. Non seulement elle n'est pas mariée, de deux, si c'est coutumièrement, c'est elle la petite soeur, c'est elle qui doit faire le travail, mais comme elle est, même, elle est enceinte, on veut que moi, ma femme, fasse cela, c'est à partir de là maintenant, il voit le mal maintenant venir à moi. Il ne peut pas lui défendre publiquement, mais il sent le mal à moi, ça me rongeait même. Des fois, même, il descend avant l'heure, mais il est en bas à la maison. Il descend la journée, 16 heures. Celui attend jusqu'à 23h minuit pour entrer à la maison. Quand comme ça jusqu'à arriver sur moi et piquer une crise. Expliquez-nous un peu. Bon, pour moi, c'était quelque chose où on se disait qu'on vivait la culture à 100%. C'est-à-dire que bon, dans chaque société, il y a des brebis galeux. Moi, mais il ne savait pas que la manière dont moi, il prenait la chose, tout le monde dans la famille ne prenait pas ça comme ça. Il s'est arrivé à ce moment, ma femme faisait uniquement des filles. Et la femme de mon petit frère est venue. Son premier enfant était un garçon. Femme de votre petit frère, elle était mariée? Elle n'était pas mariée, elle était hors mariage. C'est-à-dire que nous, on est mariés religieusement. Bon, lui, il n'a pas marié la fille. Ils sont restés dans un concubinage et puis elle a eu un enfant avec lui. Donc, arrivé à la maison, le fait que c'est un homme qu'elle a mis au monde, le respect qu'on l'octroyait déjà, je voyais ma femme. C'est là maintenant que j'ai commencé à comprendre que ah, ma femme n'est pas ridiculisé parce qu'elle ne sait rien faire. Elle est ridiculisée, bon, parce qu'on lui déteste, c'est tout. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il faut lui donner un coup de main. Mais il ne pouvait pas, il ne pouvait pas face à mes grands frères-là lutter comme ça vis-à-vis pour dire, ouais, il peut lui défendre. Voilà comment j'ai commencé à sentir le mal à moi. Mais Fatim, au départ, quand votre mari vient et qu'il est fâché avec vous, alors que vous saviez intérieurement que vous n'avez rien fait, comment est-ce que vous vous sentiez? Mal. Je me sens mal. Parce qu'à ce moment, même quand je vais lui parler, que non, c'est pas vrai, c'est ceci, je ne peux pas comprendre. Il était sur le nez, il était tout le temps fâché. Quand je m'en vais, je dépose son eau même dans la douche. Quand il vient, il chique ça, son pied, il veste. Et puis lui-même, il s'est empuisé son eau. Donc vraiment, ça m'a tellement fatiguée. C'est le moment où vous avez parce pleuré? Oui, je pleurais tout le temps. Hein. Elle était du côté des parents, c'est normal. Mm-hmm. Mais je me retrouvais toujours seule. Quand elle s'est rentrée dans le foyer, je n'ai pas tardé. Puis je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc là, elle a 21 ans. Après, deux ans après... J'ai fait une deuxième fille, encore. Voilà. Troisième, ah, elle a eu quoi? Encore une fille. Chez nous, les femmes, on ne les considère pas. Moi-même, je ne suis pas allée à l'école. Parce que nos papas nous a fait, j'étais la première fille, quatre, deux garçons, une fille. Donc, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Parce que dans vos traditions, voilà, les femmes sont privilégiées, pas considérées. En fait. Voilà. Donc, tout comme mes enfants étaient les filles aussi, tu n'as pas encore fait les enfants. Il faudra encore faire plus. Il faut un garçon. Il faut un garçon. Donc, ça dit, elle vient après vous normalement. Elle devait être celle qui faisait toutes les corvées, oui, mais simplement parce que vous n'aviez pas de garçon, on lui donnait tous les droits. Alors que
dans votre tradition, si on s'appuie sur la tradition, ouais. elle doit être mariée d'abord avant d'avoir ce titre. D'abord, voilà. Donc, c'est ce qui va commencer à attirer votre attention. Voilà, ça va pas être dit là maintenant. Et il y a eu un deuxième fait sur une grossesse. Non, c'est après, quand ils allaient faire mes soins à mon retour, si arrivé, on dit bonne arrivée, bonne arrivée. Il dit, mais où est madame? On dit, elle est couchée dedans. Elle ne veut rien faire. Elle dit, elle est malade, elle est couchée dedans. Si rentré, elle est trouvée. Elle dit, bon, lève-toi. Elle partait à la clinique, mettre les remontants, sérum et autres. Et puis on est revenu. Bon, tout le monde m'a trouvé bizarre, quoi. Chacun s'est posé la question, mais lui-là, il a eu quoi? Et puis, il s'apprenait là comme ça. Elle ne tombe pas petite maladie, quoi. Quand elle tombe malade, en tout cas, il faut être sûr de toi. Être sûr de ça, quoi, ça fait peur. Si, si, quand elle est là, elle peut tomber longtemps même, elle ne tombe pas malade. Mais une fois qu'elle tombe malade, là, ce n'est pas petit à faire. Donc, c'est ces éléments-là qui vous ont permis de comprendre. Voilà. Chers téléspectateurs, si vous nous prenez en marche, nous sommes toujours dans la zone de turbulence et avec notre couple, nous montrons certains aspects liés à leur culture qui marginalisait Fatime dans le foyer. Donc vous commencez à culpabiliser. Merci. Mm-hmm. Tout moment, elle me mettait en tort. Elle me mettait toujours, elle me donnait toujours la faute. Quoi. Elle me suis dit, ah, pourquoi c'est moi qui ai occasionné ça? C'était pas à cause de moi. On ne pouvait pas avoir enfant de quelqu'un d'autre pour lui maltraiter comme ça. Donc, au moins, je me rends compte même que c'est un problème qui est majeur, qui me fatigue là. En peu de temps net, là, il me trouve malade. Donc, vous allez, on rappelle que vous allez commencer à culpabiliser, vous allez sombrer dans l'alcool. Oui. Comment 2004, cela va se passer? Parce qu'une fois même que je communique avec elle, que on sent qu'il bon, y a quelque chose qui va en nous. Derrière moi, mon issue, là, il y a des représailles. Voilà, des représailles. Je me sentais coupable, quoi. Sa maladie aussi était grave. C'était une maladie de folie. Mm-hmm. Quand il se levait, s'il était tourbillon, il n'était pas facile, il fallait l'attraper. À ce moment, j'avais déjà au moins deux enfants, trois enfants. Il fallait l'attraper. Moi et mes enfants fuyaient de la maison parce qu'on ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Mm-hmm. Il était agressif. Voilà, il était très agressif. Cinq personnes ne pouvaient pas me maîtriser. Donc, ça veut dire qu'il faisait des dépressions. À force de culpabiliser, il a sombré dans la dépression. Voilà. Là, c'était une folie, mais parce que quand tu dis dépression, c'est qu'on peut maîtriser la personne encore. D'accord, donc pour vous, c'était le sauveur. C'était une folie. Et puis, c'est quand ça me prenait même là, on pouvait taper au moins deux à trois semaines. Même. Et puis, je ne suis même pas au courant de ce qu'il fait. Même la maison, je ne pas reconnaître la maison. On l'attachait. Il était tout le temps devoir attacher. Quand on le laisse, il est partant. Une fois, je suis parti comme ça, il peut taper au moins trois semaines. Des fois, même quatre semaines. Ça a tout d'un coup comme ça, au coup de vie, et puis il me retrouve devant la cour. Et pendant ce temps-là, vous, vous restiez dans la belle famille avec vos enfants? Oui, oui. Donc vous étiez accusé? Oui, oui. Mm-hmm. C'est elle. Nous, chez nous, les Burkinabés, c'est comme ça. Quand tu maries un homme que ça ne va pas, voilà, on rejette aussi la femme. Des fois, quand je vois qu'il était, sa folie était grave, il fallait prendre mes enfants et puis qu'ils fuient la maison, aller me cacher quelque part dans une maison inachevée pour ne pas qu'il nous fait du mal. Il y a des gens, même plusieurs fois même, il y en a qui me disent, ah, t'es toujours madame, elle est là, elle dit oui, elle est là. Elle dit, t'es toujours même, elle dit oui, elle est là. Il dit, ah, que toi, t'es fou, elle dit, c'est pas moi, c'est lui qui m'a fait cette grâce. Richement. Méliane, je suis vraiment peinée. Mm-hmm. Voilà, vis-à-vis de cette situation. Ce que je peux dire, c'est que souvent, nos traditions, nos cultures sont à la base des divisions, des conflits, des difficultés au niveau des familles. C'est pourquoi, naturellement, on parle du changement des mentalités, parce qu'on est certainement, on est vraiment scotché sur la tradition, du fait qu'on oublie un peu le bien-être même de sa famille. Si on veut certainement s'attarder à ça, à la fin, on pourrait certainement mal finir. Et ça a été le cas de monsieur qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, s'en est sorti. Merci infiniment, Richement, pour cette éclaircie. Monsieur et Madame Sindogo ont traversé ces moments assez atroces dans leur vie, mais tous ces moments difficiles n'ont pas détruit leur amour, mais bien au contraire, l'a rendu plus fort. Si vous souhaitez en savoir davantage, je vous conseille de rester scotché devant votre petit écran. «
Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Un couple, une histoire. Nous rappelons que nous recevons pour vous le couple Sendogo, avec qui nous avons parlé de différents aspects et de différentes difficultés dans la vie de couple. Un couple, une histoire, nous avons la chance d'avoir nos experts, donc avec Richemont. On va revenir sur certains aspects et la première question qu'on a envie de poser dans cette zone conseil conjugal, c'est que devrait être l'attitude d'un conjoint lorsque son partenaire est en conflit avec sa belle-famille? D'abord, j'ai l'habitude de dire, et je le dirai aujourd'hui encore, c'est qu'il est difficile de faire foyer dans foyer. Vous savez, nécessairement en Afrique, on a cette habitude-là de quand on se marie, il y a la famille qui vient là et tout ça. Pourquoi? Parce que naturellement, on s'est dit peut-être qu'on a une petite stabilité financière. Donc, du coup, le poids même de la famille se repose sur celui-ci. Donc, en réalité, cela crée beaucoup de conflits. Ici, dans le cas de M. Sendogo, on comprend ainsi que il y a pas eu de communication. C'est-à-dire que quand madame vient, elle dit qu'à cause de ce conflit-là, même quand elle prend de l'eau, elle va déposer, il vient, il se lave pas. Pourquoi? Parce que, au vu de ce que les gens disent, ça fait que lui, il s'est dit, il a une autre image de son épouse. Donc, voilà le problème. Donc, à un moment donné, quand cela arrive, il faut prendre son calme, il faut écouter les deux parties. Monsieur n'a pas écouté, non seulement madame, mais il s'est appuyé sur les dits de sa famille. Donc, quand on vit dans ce genre de circonstances-là, le foyer ne peut pas certainement évoluer. Pourquoi? Parce que d'abord, la belle famille dira que si notre fils est si comme ça, c'est à cause de la femme. Donc ici, on peut ressortir que madame, à un moment donné, les gens ont dit que cette folie-là a été occasionnée par qui? Par madame. Donc, dans un premier temps, il faut s'écouter, il ne faut pas prendre parti. Parce que quand on prend parti, l'autre, ton époux, ou du moins ton épouse, se sent certainement lésé, frustré, marginalisé. Et quel risque, on a envie de dire comme ça, le couple encourt-il si l'un des conjoints se base sur la tradition pour gérer la famille? Voilà le mal même de l'Afrique. Parce qu'on a l'impression que quand on se marie, nos parents, nos familles, nos frères veulent certainement se déporter même dans le foyer à travers tout ce qu'on appelle tradition, parce qu'au village, on dit ci, on dit ça. Vous savez, ici, la tradition, d'abord, n'a pas été respectée, premièrement, au niveau du couple Sendogo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... Donc là, on a eu vice de procédure. Vice de procédure. Et d'abord, et c'est ce qu'on doit comprendre. Ici, le monsieur faisait cette dépression, cette culpabilité, et ça l'a plongé à la folie. Combien de familles aujourd'hui, combien de foyers aujourd'hui, c'est-à-dire monsieur ou madame, qui vivent cette situation? Moi, j'appelle ça dramatique. Ça, c'est dangereux. Donc, à un moment donné, il faut ressortir de là. À un moment donné, il faut penser certainement au bien-être de son foyer. Mais en étant certainement un peu respectueux, mais s'ingérer, mais impliquer la tradition dans le foyer, c'est très dangereux. Et on rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, monsieur et madame Sendogo sont d'origine Mossi. Voilà, donc, et il est issu de la royauté, c'est ça? Hein? Ouais, ouais. C'est ça, le Moro Naba, c'est ça? Bon, c'est avant ça, hein, puis c'est pour nous, là, c'est déporté maintenant, ouais, avant. Voilà, avant c'était le Moro Naba, donc il a grandi dans cette culture, c'est pour ça qu'il tolérait certains éléments, certains aspects qui finalement vont avoir un impact nocif, hein, comme bien disait Richemont, il a dit même dramatique, sur le couple. Aujourd'hui, à quel moment votre situation va se stabiliser, Ibrahim? C'est à partir de... C'est en 2012, voilà. Quand il est tombé malade, on a soigné, traité ici, ça n'allait pas. Donc, il fallait qu'il parte. Ça a répété à chaque fois, au pays. Il fallait se soigner. Donc, nous sommes tous allés là-bas. J'avais un bébé de 3 semaines. Donc, vous, vos deux filles, voilà. Plus le bébé de 3 semaines. Voilà. Puisque les 3 filles sont déjà, quand ça répétait, j'avais encore un autre bébé. Ah, quatrième. Donc c'était d'abord, donc il y avait les 3 filles, Nouria et autres. Et maintenant, c'est celle qui vient après, celle qui a eu le BPC. Bon, ben, c'est notre star, hein, Nouria, c'est ça? Rien à tout. C'est après, rien à tout. C'est Sally, c'est le moment de la naissance de Salmata. Son nom? Il a piqué la crise encore, donc on m'envoie. Lui-même qui m'a accompagné au... Ahmed, son lui est décédé en cours de route. Donc vous êtes allés tous au Burkina, voilà. Avec tous les enfants. Nous tous on était installés là-bas. Jusqu'à ce que le vieux me dit, non mais tu ne dois pas rester ici, il faut retourner. Quand je suis venu ici, 2 ans après lui, il est décédé. Jusqu'à là en tout cas. Nous sommes tous allés au pays, comme on vient de le dire. Même ici, c'était pas facile, tu n'étais pas bien, tout ça là. Donc, arrivant là-bas,
Au moment où ça allait, il a fait 3 ans. 3 ans après où ça a commencé à aller, commencé à faire les contrats, où ça va maintenant, ils l'ont amené une autre femme, mon Mieka, et c'est la, celle qu'eux-mêmes veulent. Parce que l'autre est pour moi et lui, c'est moi et lui qui s'est croisé, mais ça maintenant, c'est pour eux-mêmes. D'accord. C'est la femme de la famille. La femme de la famille. Et elle est restée, elle est partie. Bon, elle est restée, moi j'étais. Bon, ça c'était après moi, la crise. On m'a pas trop donc, pris comme elle, ça, la crise nous a trouvés là-bas. Mm-hmm. Donc, après la crise, comme toi, tu tombes malade beaucoup, et puis maintenant ça va, on t'a amené femme de la famille. Le fait que, comment on appelle, la crise est finie en Côte d'Ivoire, je vais rendre visite à mon maman. C'est comme ça qu'elle est venue ici. Et puis elle s'est restée, comment on appelle, l'autre épouse. Mm-hmm. Et aujourd'hui, l'autre épouse, elle est où? Non, ça n'a pas marché, elle est partie. Ah, donc finalement, vous vous êtes retrouvés seul dans votre foyer. Mm-hmm. Aujourd'hui, comment ça se passe et tout? Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Donc, on rend gloire à Dieu. Hein. Et c'est après tout ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Vous vivez uniquement avec vos enfants? Oui, oui. Oui, de nos jours, on vit uniquement. Et nous et nos enfants. Et la belle-mère, elle n'est plus là? Elle est âgée. La maman, elle est au pays présentement. Le grand frère, le plus grand, lui, il est présentement au pays. C'est lui qui le suivait, là, qui est décédé. C'est lui qui m'a accompagné en 2009. Mm-hmm. Décédé en cours de route à la frontière. Donc aujourd'hui, que représente votre femme pour vous? Ma femme représente tout pour moi, hein, ma religion, ma culture, tout quand le pardon, quoi. Le pardon, c'est quand tu peux porter main à quelqu'un, parce que tu te sens fort. Mais il faut penser, le moment où tu vas prendre de l'âge, et si tu auras tout moment la force de porter main. Donc il y a eu des moments où vous lui avez porté main? Dans mon éducation même, là, ça ne me permettait pas. Donc quand elle faisait quelque chose qui me plaisait, quand je parlais, même qui me dit, mon frère, il faut me porter main, arrête de me parler. Je pourrais parler jusqu'à avoir coulé l'âme, mais non, il faut arrêter de me parler, il faut me porter main. Il dit, mais moi, je ne connais pas ça, c'est pas comment ça se passe. Ce n'est qu'à travers mes maladies qu'il pourrait porter. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'est dans votre culture ou votre tradition, hein, mais nous ici, c'est dans un couple d'histoire, c'est comme ça. Quel est le petit nom que vous donnez à votre femme? Mousso. Comment? Mousso. Mousso. D'accord. Et elle, comment vous appelle? Bon, moi, il appelle papa. Papa, d'accord. Donc vous allez vous regarder, c'est la beauté d'un couple d'histoire, et vous allez lui faire une déclaration. Quand vous regardez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, mais elle est restée près de vous, elle vous a soutenu. La preuve, l'autre est venue, elle n'a pas duré, elle est partie. Mm-hmm. Donc vous allez l'appeler par son petit nom et lui dire quelque chose de beau, de gentil qui vient de votre cœur. C'est l'instant, voilà, déclaration d'amour. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Hein? Vous avez dit quoi? On n'a pas entendu. Elle a entendu. Non, mais elle a entendu, mais nous, on n'a pas entendu. Et je sais que les gens à la maison veulent savoir. Donc, faites la déclaration maintenant. Aouidrede, ça, c'est un nom, c'est un code. Si c'est ça, j'ai eu ça à ma belle-mère. Uh-huh. Je l'ai trouvé à ce petit nom-là avec sa maman. Quoi. Ça veut dire quoi? C'est qui manque pas le sourire. C'est qui manque pas le sourire. Donc, c'est Aouidrede. Oui. Donc, parlez-lui donc. Il faut dire ça en français pour qu'on puisse comprendre. Ah, en français. Voilà. Donc, depuis que j'ai connu sourire, je n'ai pas l'autre sens de vie en dehors de toi. Regardez le sourire. Oh non, on va applaudir. On va dire le sourire sur le visage de Fatim. Fatim, à ton tour. Tu pensais que c'était fini comme ça? Mais non, c'est à ton tour. Allez, le petit nom. Ouais. Uh-huh. Papa, je t'aime. C'est que moi aussi. Elle n'a pas fini, elle veut parler. Oui, vas-y, nous, on attend. Les affaires, là, on est concentrés. On vous écoute. Uh-huh. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Malgré ça, je t'aime. On peut lui faire un bisou, hein, c'est autorisé. Voilà, allez, le bisou. Elle est gênée. Oh, mais c'est pas ce bisou sur la joue, là. Oh, non, Myriam, mais faut pas dire. La femme, elle est un peu. Elle est un peu gênée. Elle est timide, elle est un peu gênée. Voilà. En tout cas, c'est beau l'amour. Mmh. Et Fatim et Ibrahim, nous avons rencontré des personnes qui ont accepté de parler de vous. Écoutez ce qu'ils ont dit. Je connais Yacoub Sendogo par la grâce de Dieu, à travers voisinage et à travers les amis. Ce qu'on peut dire dans leur couple,
ils ont été beaucoup éprouvés. La femme a été éprouvée et le monsieur aussi a été éprouvé avec la situation familiale aussi. Je peux témoigner un peu, puisque c'est une famille, on ne peut pas dire qu'on connaît tout, mais ce qui s'est passé en ces deux congés, que M. Sundogo et sa femme, quand les parents sont en vie et vous vivez ensemble aussi, ce n'est pas aussi facile. Il y a eu des difficultés en ces deux couples. Vraiment, le monsieur ne se sentait pas bien aussi, mais ce n'était pas facile. Par la grâce de Dieu, avec les conseils des uns et les autres, la femme est la plus supportée. Je peux apprécier les relations avec la patiente qu'ils avaient les deux. Et les deux s'attendaient aussi. Et puis vraiment, écoutaient aussi les bons conseils. Ce qu'on peut leur dire en direct, il n'est qu'à être toujours patient. C'est avec la patiente qu'on peut atteindre tout ce qu'on cherche dans sa vie. Je le connais parce que d'abord, sa femme est ma petite sœur. Et lui, c'est comme un ami. Ce qui me plaît dans les relations de couple, en fait, ils sont aimés, ils sont restés solidaires. J'ai vu un peu ce qui s'est passé. Parce qu'au fait, le monsieur même, il a supporté une maladie qu'ils n'ont pas pu tenir. Même en gros, au village, ils étaient toujours soudés parce que moi, le côté de ma peau, ils n'ont jamais baissé les bras. Elle a toujours soutenu son mari aussi l'a toujours soutenu. Vraiment, moi, je les encourage de continuer toujours sur le même schéma. Et puis donner aussi conseil à les enfants pour que les enfants puissent suivre leurs traces. Alors Ibrahim, oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de vous comme ça? En tout cas, ça me fait du bien. Puis c'est, bon, ça, c'est un ami d'enfance, on s'est connu il y a longtemps. Alors, il a beaucoup fait pour moi aussi. Uh-huh. Je le remercie. Et puis lui, c'est en tout cas toute la bonté. Uh-huh. Avec mon beau aussi, Ousmane. Lui, je souhaite en tout cas beaucoup de succès dans sa vie. Puis merci beaucoup. C'est un grand frère. Puis il a su me épauler. À n'importe quel moment, il y avait besoin de lui. Il était là pour moi. Il est prodigé de ses conseils à tout moment. Et c'est un beau ordinaire en tout cas. C'est comme ça qu'il peut l'appeler. Ouais. Un beau extraordinaire. Ouais. Fatime, ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Les mots vous manquent en fait. C'est pour leur dire aussi merci beaucoup. Et au moment où on avait plus besoin d'eux, ils sont venus à notre aide. Donc, merci beaucoup. Vraiment, nous sommes reconnaissants de ce qu'ils ont fait aussi pour nous. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir accepté de témoigner. Mm-hmm. L'émission n'est pas terminée. Ibrahim et Fatih, nous avons notre petite rubrique ici, ou notre causerie entre nous, notre petit débat. On a un sujet et on va ensemble débattre. OK, c'est bon? Mm-hmm. D'accord, donc ensemble, ouais. On va pour Amour et Désamour. Passionnée d'un couple, une histoire, certains m'ont dit que c'est la rubrique qu'ils affectionnent le plus. Et le thème du jour est « Comment réagir face à la correction que l'un des conjoints inflige aux enfants ?» Et là, je suis tentée de me tourner vers Fatima. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit lorsque monsieur est en train de... on a un enfant qui a fait la bêtise. Comment, quand monsieur est en train de la corriger, comment est-ce que vous réagissez? Lui-même, il ne frappe pas un enfant comme ça. Mm-hmm. Mais quand tu le vois taper un enfant, c'est que vraiment, l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais quand il commence à taper l'enfant, lui, c'est pas taper doucement. Quand c'est comme ça, souvent, je m'énerve. Si je sais que je vais parler, il va se retourner contre moi. Je m'énerve et j'essaie de dire « ça va, faut le laisser, laisse-la comme devant ça, l'enfant? Ça non, mais je dis « ça va, arrête de, le taper, arrête de la taper, ça va. » Ibrahim, oui. Quand elle réagit comme ça, si ça vous plaît. Bon, pour moi, c'est une manière de me dire non. Elle l'a épié, elle gère la situation. D'accord. Mais si l'enfant avait l'enfant à la maison, c'est bien de porter main. Mais quand la femme intervient, il faut accepter. Puis si la femme est remède de l'enfant par rapport à l'homme. Donc, pour vous, elle peut intervenir quand elle tourne le... Oui, la femme peut intervenir à tout moment. Des fois même, au lieu de porter la main à l'enfant même là, il faut s'adresser même à la femme d'abord. Mm-hmm. Voilà ce que l'enfant a fait. C'est-à-dire, laisse, tu laisses. Ah. Ouais. Le jouet n'est pas là. Mm-hmm. Il n'y a personne pour vous dire arrête.
Tu ne vas jamais te rendre compte que tu es là, voilà. Des dégâts, en fait. Donc, c'est pas le genre de moment qui accompagne les coups. J'en connais, je salue au passage, pendant que le père est en train de réprimander l'enfant, tout de le corriger, et même elles vont rajouter, il faut bien taper ici, là, même. C'est parce que... Il n'a pas encore vu taper, là. C'est parce que tu n'as pas encore tapé, là, même, là. Richement. J'ai eu de la responsabilité des deux parents. Uh-huh. C'est tellement d'éduquer les enfants. Et on a tendance à voir souvent dans les familles qu'on a l'impression qu'on prend parti. C'est-à-dire que quand monsieur commence à lever le ton, quand monsieur commence à parler, madame, elle est là, elle est émerveillée, c'est tellement par la peur. On se dit certainement que c'est le sein de la mère. Donc, du coup, elles interviennent. Mais c'est pas la meilleure manière. Quand on a toute fois qu'on corrige un enfant, il faudrait que les deux parents soient unanimes. C'est-à-dire que l'autre puisse avoir le soutien de l'autre. Sinon, toute fois que cela va arriver, l'enfant prendra appui sur l'un des conjoints. Et puis, jusqu'à même dire que peut-être que mon père ou ma mère ne m'aime pas. Mmh. Et ça peut générer beaucoup de choses que l'enfant va commencer à certainement détester l'un des parents. Donc, il faut être unanime, il faut être vraiment un là-dessus. Et puis après, s'il y a des corrections à faire, on peut le faire en aparté dans la maison, dans la chambre, pour dire, chérie, ici, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ci. Donc, il faut être unanime là-dessus. Oui, et ça me permet de partager avec vous une anecdote. On ne cite pas ses contemporains, mais je connais une maman qu'on veut frapper l'enfant. Elle dit, Marie, non, il faut laisser. Donc, l'enfant pense que la mère a géré le problème, s'est oubliée et c'est pendant que l'enfant est en train de dormir. Elle dit, hey, allons, c'est le moment. La chicotte n'est pas forcément la solution. Mais il y a une autre manière de le faire. Oui, il y avait une autre manière aussi. Bon, je pense qu'on va trouver, on va faire ce thème-là un autre jour. Sinon, il y a eu les canibres, hein? On a connu ça. on ne te chicote pas, mais bon, mais il faut dire maintenant même là, regarde un peu à l'école. On ne frappe plus les enfants. On ne frappe plus. Uh-huh. Voilà, il y a changement. Pourtant, je crois bien qu'à notre... Je ne suis pas aussi âgé, mais quand même, on nous frappait. Mais là, j'ai envie de parler aussi d'un point de... Concernant les familles recomposées, c'est-à-dire que je suis certainement constamment face à cette situation où monsieur a du mal à certainement parler à l'enfant de l'autre, vice-versa. Donc, ça fait qu'au niveau des familles, l'atmosphère est bizarre, on n'arrive même pas à communiquer parce que souvent même, on regarde l'enfant de l'autre faire quelque chose, on a peur parce qu'on a peur de la réaction de son conjoint. Puisqu'on dira que comme c'est pas ton enfant, c'est pour cela que tu fais ça. Mais il faudrait que le parent comprenne que pour le bien-être, pour l'éducation de l'enfant, il est important, nécessaire de pouvoir certainement lever souvent le ton. Il ne voudrait pas que l'un des conjoints certainement soit frustré, puisse mettre des choses dans la tête. Mais il faut voir le bon sens pour l'évolution de l'enfant. C'est ce que je voulais dire. Donc, il faut accepter que parfois, il y ait de petites taloches, des petites punitions, des petits pieds au mur, des pompes et autres, parce que ça aide dans l'évolution de l'enfant. Il faut qu'il sache qu'il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et lorsqu'un conjoint est en train de réprimander l'enfant, il ne faut pas tout de suite, devant l'enfant, élever le ton sur son partenaire. Sinon, après, on discrédite l'autorité parentale à ce niveau-là. Et l'enfant va finir par faire des gaffes en se disant toujours que j'ai un des parents qui est avec moi, soit maman, soit papa, qui va toujours me défendre quand je fais des fautes. Donc, faut être unanime, faut vous entendre. On dit c'est en couple, là, c'est un régime. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est en symbiose que vous faites les corrections, mais pitié, souvent. En tout cas, merci infiniment. On est au terme de nos 52 minutes de bonheur. Mais avant, j'ai envie de demander comme ça à Monsieur Sandogo, voilà, oui, de nous dire ce qu'on devrait retenir de leur histoire. Bon, nous, notre histoire, nous, on rend gloire à Dieu, puis bon, merci Dieu. En tout cas, tout ce que je peux dire, chacun a le pardon, quoi. Mm-hmm. N'a pas le pardon, tu ne peux pas tolérer. Entre la terre et les cieux, là, c'est le pardon qui est au milieu. Donc, quand tu profites de l'air et vie de ça, là, il faut accepter le pardon. Accepter justement le pardon. Voilà. Si tu n'as pas l'amour aussi, tu ne peux pas pardonner ton frère. Maintenant, lui, c'est lui que tu connais qui est ton frère, puis tu vas le pardonner. Et celui que tu ne connais pas. Si tu ne peux pas pardonner celui que tu ne connais pas, tu ne peux pas pardonner ton frère. On doit retenir le pardon, Fatine. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux femmes qui nous écoutent? Le pardon, l'amour. Il faut surtout pardonner. L'amour. Bon. Si tu as les enfants aussi, il faut beaucoup penser aussi à tes enfants. En pardonnant, on peut pardonner aussi tes enfants. Ça tourne pas... vite, bien sûr, ça revient ou quoi? En fait, ce qu'elle a envie de dire, c'est que lorsque tu pardonnes, forcément, demain, on va pardonner aussi à tes enfants. C'est que tu fais comme voilà. Bonne chose, ça se retourne. Ça se retourne comme toi. Ça reste pas. Voilà, donc on va parler de karma. Mm-hmm. C'est, il faut pardonner, il faut donner de l'amour, parce que lorsque vous le faites, vos enfants en bénéficient. Voilà, c'est ça. Donc le pardon surtout. Le pardon restant, comme on lui dit. Voilà, le pardon restant, richement. Méliane, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous, les Africains, nous prenions notre responsabilité. Responsabilité dans le sens où il faut laisser un peu ces jeunes-là, ces personnes-là, prendre, certainement décider de qui, avec qui ils veulent se marier. À un moment donné, il faut certainement penser à soi. Quand si, c'est pas parce que je suis moré que je dois forcément me marier à un moré. Il faut rester certainement fidèle à ce qu'on ressent. Parce que naturellement, on a l'habitude de dire que comme la tradition m'empêche d'être avec celle-ci, donc du coup, moi-même, je me résigne et on se met dans un foyer où on n'est pas certainement pas investi. On a envie de faire plaisir certainement aux parents et à la fin, c'est nous qui payons vraiment les pots cassés. Donc, il faut rester fidèle et puis je pense que Dieu, dans sa fidélité, nous aidera. Merci infiniment. Je rappelle que le coach du jour, c'était Monsieur Kwasi Richemont. Oui, Méliane. On a salué en début en Baoulé. Comment on va dire au revoir en Baoulé? Éternel. Il faut rappeler qu'il est conseiller matrimonial, il est aussi psychologue. C'est bien ça. Voilà. Et c'est le conseiller maison hein, dans Couple une histoire. Et nos invités, c'était le couple Sendogo, Monsieur Sendogo Ibrahim qui est transporteur, et Ouedraogo Fatimata qui, elle, est commerçante. Merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. Voilà, ce qu'on devrait retenir de cette émission, c'est qu'il est important d'avoir les pieds dans la tradition, mais la tête dans le modernisme et surtout le cœur pour son ou sa partenaire. Il est important de l'aimer et de tenir compte de ses valeurs. Nous, on a été ravis d'être en votre compagnie. On a commencé en moré en vous disant bonjour. Comment est-ce qu'on dit au revoir? On est au revoir. Nidare. 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 Ensemble, on va dire Nidare. 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 Nidare.